Dans ma dernière vidéo, j'ai construit une maison de Noël et aujourd'hui, je vais construire une pièce secrète dans ma maison de Noël. Pendant ce temps, ma copine Laurie devra elle aussi construire une pièce secrète dans sa maison et à la fin de cette vidéo, on devra chacun notre tour tenter de trouver la pièce secrète de l'autre. C'est parti pour la construction de nos pièces secrètes. Ah oui, et j'ai oublié de dire qu'on a 24 heures. Allez, c'est parti! Comme vous voyez, ça va être extrêmement dur de construire une pièce secrète dans ma maison parce que disons que j'ai mis beaucoup de décorations. Il n'y a plus vraiment de place. Ouais. Mais j'ai eu une idée de génie. Je pourrais construire un deuxième étage à ma maison de Noël dans laquelle je pourrais faire ma pièce secrète. Et la seule façon que je pourrais y accéder, ça serait de passer par la cheminée. Honnêtement, je trouve l'idée complètement folle. Si j'enlève le feu, qui n'est pas un vrai feu, la cheminée est assez grande pour que je puisse y passer. Regardez, je vous montre à l'intérieur. Voilà. Regardez, je pourrais mettre ici une échelle dans la cheminée pour monter jusqu'à ma pièce secrète au deuxième étage. Sérieusement, c'est une idée de génie. Mais tout d'abord, je dois faire l'étape la plus difficile, qui sera de construire un deuxième étage à ce niveau dans ma maison de Noël. Allez, c'est parti. Alors, tout comme Willy Bed, il n'y a pas énormément de place dans ma maison de Noël, alors j'ai aucune idée qu'est-ce qu'il va faire, mais par contre, j'ai eu l'idée de construire une extension sur le côté de ma maison, c'est-à-dire que ma pièce secrète va être ici et pour y accéder, on devra passer sous mon lit à l'aide d'une trappe. J'ai ici tous les matériaux que j'aurai besoin pour construire le deuxième étage. Par contre, pour faire le deuxième étage, je vais devoir enlever le toit, mais ne vous inquiétez pas, je vais le remettre par la suite. Pendant que j'étais en train d'enlever le toit, Laurie avait déjà commencé à construire sa pièce secrète. J'ai maintenant terminé de construire la structure de ma pièce secrète. Il me reste simplement à installer des grosses planches de bois qui sont pareilles à l'extérieur de ma maison tout autour. Je commence maintenant à installer les grosses planches de bois tout autour de ma pièce secrète. OK, une vis de mie. OK. Voici la dernière planche. Comme ça. Et voilà, maintenant la dernière vis. L'extérieur de ma pièce secrète est officiellement terminé. Maintenant que j'ai terminé de construire l'extérieur de ma pièce secrète, je dois maintenant faire la trappe qui va me permettre d'entrer à l'intérieur. Maintenant que j'ai fini d'enlever le toit, c'est l'heure de faire le deuxième étage. Allez, c'est parti! Alors, on va commencer par mettre des lattes de bois sur ce côté. Par la suite, on va mettre une grosse planche de bois pour faire ma pièce secrète. Vous allez voir, ça va être magnifique. Voilà. Oh. Ça va être solide! Attention, Willy Bed, le professionnel! Voilà! Il va maintenant me manquer à mettre cette planche de bois. Et si vous vous demandez pourquoi il y a un trou, c'est pour la cheminée. D'accord? Let's go! Woo! Oui, parfait! J'ai officiellement terminé le deuxième étage de ma maison de Noël. Alors c'est ici que je vais faire ma pièce secrète. Il va me rester maintenant à remettre le toit et aussi à faire une genre d'échelle dans la cheminée pour que je puisse descendre. C'est vraiment trop stylé! J'adore! J'ai demandé à Med de m'aider à couper la trappe pour entrer dans ma pièce secrète. Et comme vous pouvez voir, elle est assez petite. Ce qui veut dire que je serai la seule à pouvoir y entrer. Donc non, Willy Bed, tu ne viendras pas ici. 3, 2, 1. Oh! Et voilà! Wow! Merci, Med! OK, alors c'est l'heure de tester si je passe bien dans le trou. Oui, ça rentre! J'ai réussi à entrer dans ma pièce secrète! Pour vrai, c'est trop cool! J'ai déjà hâte de commencer à décorer et d'installer tous mes trucs! Regardez à quel point le trou est petit! C'est impossible que Will réussisse à entrer dans ma pièce secrète! OK, je suis sortie! Je dois juste passer en dessous du lit! Allons! OK! J'ai enfin terminé de remettre le toit de ma maison de Noël. Alors honnêtement, c'est vraiment trop stylé. Évidemment qu'il va aussi y avoir un toit ici devant. Mais pour l'instant, on va garder ça ouvert parce que ça va aussi faciliter la tâche lorsque je vais rajouter une télévision et plein de trucs dans ma pièce secrète. Comme vous avez vu, ici on a la cheminée, mais je n'ai aucun moyen de descendre au premier étage. Alors on va construire une trappe ici. OK. Oui! Alors, j'ai ici la trappe. Regardez ça, c'est parfait! Pour l'instant, je dois descendre en utilisant cette échelle. Mais évidemment, pour la pièce secrète, je dois être capable d'y accéder par l'intérieur, c'est-à-dire par la cheminée. Alors, j'ai eu une idée. Avec ces bouts de bois, je vais construire ma propre échelle qui va me permettre de grimper dans la cheminée et d'accéder à ma pièce secrète. J'ai coupé les bouts de bois pour l'échelle. Ça va ressembler un peu à ça. Maintenant, il va me rester à visser tout le bois de l'échelle. Willy Bed, le professionnel en construction. OK, super. Maintenant,
maintenant, pour rendre l'entrée de ma pièce secrète encore plus spectaculaire, je vais utiliser un système de poulies avec une corde. Pour entrer dans ma pièce secrète, on va tirer une corde qui va faire soulever mon lit pour accéder à la trappe. Évidemment, je vais demander l'aide de Med pour m'installer le système de poulies. C'est parti! Mon système de poulies est maintenant installé. Je vais vous montrer comment ça fonctionne. Ici, on tire la corde et ça va faire soulever mon lit. Regardez ça. Alors voilà, mon lit est soulevé. On peut se diriger ici comme ça et entrer dans ma pièce secrète. Et maintenant, pour redescendre le lit, je n'ai qu'à tirer sur cette corde. Maintenant, il ne reste plus qu'à transformer cet endroit en pièce secrète vraiment trop épique. Mais avant, je dois sortir d'ici. J'ai enfin terminé d'installer l'échelle dans ma cheminée. Alors, je vous montre. C'est vraiment trop stylé. Alors ici, on a l'échelle. J'utilise l'échelle dans la cheminée pour monter jusqu'à ma pièce secrète, là-haut. Oh là là, c'est trop stylé! Ah, et là, ici, on a ma pièce secrète. Oh. Let's go! Donc vous avez compris, ici on a la trappe et pour la refermer, on pousse tout simplement. Je sais que Laurie est partie dans les magasins, alors c'est parti pour le magasinage! On se retrouve dans les magasins pour acheter tout ce que j'aurai de besoin pour ma pièce secrète. Premièrement, je vais avoir besoin de lumière, comme ce truc qui a l'air vraiment trop cool. Ah oui, je vais aussi prendre ces lumières. Ouais, ça c'est parfait. Je vais aussi prendre ça, je vais en prendre même deux. Voilà. Sérieusement, vous allez voir que ma pièce secrète va être trop stylée. J'ai trouvé ce présentoir rempli de squishmallow, alors je vais m'en prendre plein pour mettre dans ma pièce secrète. Et voilà, une crème glacée, hop. Je vais aussi m'acheter des nerfs pour attaquer Laurie si elle essaie de s'infiltrer dans ma pièce secrète. En vrai, je vais aussi prendre lui parce qu'il a l'air trop stylé. Attention, Laurie. Regardez ça, j'ai trouvé des petites boules mini-brain comme ça, mais c'est de Disney, alors je vais m'en prendre quelques-unes. Ah oui, je vais prendre ça, c'est un Pikachu. Allez, let's go. Évidemment que pour ma pièce secrète, je vais avoir besoin de bonbons. Parce que, moi, j'adore les bonbons. Sérieusement, j'aime trop les bonbons. Évidemment que je ne dois pas oublier les chips. Et sérieusement, regardez mon panier. C'est terrible. Et maintenant, la prochaine étape sera d'acheter une PS5. Et je vais aussi acheter une télévision. Ça va me coûter cher. Je vais prendre ensuite des tablettes comme ça. Ça peut toujours servir pour accrocher des trucs dans ma pièce secrète. Je vais aussi prendre des tapis roses. Ça va être super confortable pour marcher. Je crois qu'avec deux, j'en ai assez. Et évidemment que dans une pièce secrète, j'ai besoin de lumière. Alors, je vais me choisir des lumières comme ça ici. Voilà, regardez ce que j'ai trouvé, c'est vraiment cool. C'est un genre de grillage qui s'accroche au mur et tu peux mettre des photos dessus et en plus ça fait de la lumière. C'est parfait. Regardez qui que je viens de croiser. Qu'est-ce que tu fais dans la section des bonbons? Ça prend des bonbons dans une pièce secrète? Attends, regarde pas, tu me copies. Va-t'en. Je vois, qu'est-ce que t'as pris? Non, va-t'en là-bas. Oh. Nous, on va partir sur la mission d'acheter une PS5 et une télévision. Ça va me coûter cher. Je suis en train d'espionner le riz. Et maintenant, je dois choisir des chips. Salut! Regardez qui j'ai trouvé. Il est en train de m'espionner. Va-t'en là-bas. Le riz m'a grillé. Allez, on s'enfuit. Et aussi, j'allais oublier d'acheter des trucs à boire. Et regardez ce que j'ai trouvé. Du Fanta Mini. Alors, ça va être parfait pour ma pièce secrète. J'adore ces chips-là. Allez. Regardez, mon panier est complètement rempli. J'ai pas envie de savoir combien ça va coûter. Il y a plein de télévisions. Mais mon but serait de trouver une télévision pas trop grosse pour qu'elle puisse rentrer dans ma pièce secrète. Comme ça, par exemple, c'est beaucoup trop gros. En vrai, cette télévision serait parfaite. Maintenant, il ne reste plus qu'à acheter la PS5. Pendant que j'étais en train d'acheter la PS5, Laurie avait déjà terminé son magasinage. Je viens tout juste de revenir des magasins, alors là, je vais devoir monter mon lit pour pouvoir entrer tout ce que j'ai acheté dans ma pièce secrète. Alors, il ne me reste plus qu'à espérer que je puisse faire entrer tout ce que j'ai acheté dans ma pièce secrète parce qu'on se rappelle, le trou est quand même assez petit. J'ai installé un tapis rose au sol pour que ça soit plus confortable et maintenant, je vais installer cette guirlande de lumière sur le mur. J'ai terminé d'installer la guirlande de lumière juste ici et j'ai même accroché des LED tout autour. Maintenant, la prochaine étape, ça va être d'accrocher deux tablettes sur le mur juste ici. C'est parti! Je viens de revenir des magasins. J'ai ici tout ce que j'ai besoin pour ma pièce secrète. Et là, je vais me dépêcher parce que Laurie a déjà commencé à décorer sa pièce secrète. Le seul problème, c'est que j'ai beaucoup de décorations à mettre dans ma pièce secrète et ça va être extrêmement compliqué de tout passer par la cheminée. Alors, j'ai eu une idée. J'ai ici le triangle du toit de ma maison que j'ai
enlevé et je vais donc utiliser ce trou pour transporter tous mes trucs dans ma pièce secrète. Sur le plancher de ma pièce secrète, j'ai rajouté des tapis qui sont trop confortables. Et comme vous voyez, j'ai ici un petit meuble que je vais utiliser pour mettre la télévision. Et j'ai aussi un petit truc Minecraft, regardez. Wouhou! Oh! Oups. J'ai ici la télévision qu'on va monter dans ma pièce secrète. J'ai vraiment peur d'échapper à la télévision. Ok! Oh, oh! Let's go! Je voulais mettre la télévision sur ce truc, juste ici, mais ma télévision est beaucoup trop grosse. Donc, ouais, je vais la mettre à même le sol. En vrai, c'est trop stylé! J'ai aussi amené cette chaise confortable que je vais pouvoir utiliser pour regarder la télévision. C'est trop stylé. Alors maintenant, je vais devoir aménager tout ça pour que ça soit complètement épique. Donc, ouais, j'ai beaucoup de travail à faire. Mes deux tablettes sont installées. Je vais maintenant mettre les décorations dessus. En premier, une petite lumière comme ça ici que je vais mettre sur le dessus. Et ensuite, j'ai un petit tableau qui dit pièce secrète de Laurie. Mais j'ai également inscrit interdit à Willy Bed. De toute façon, le trou est tellement petit pour entrer ici que je pense même pas qu'il va entrer. Et ensuite, le dernier élément qui me reste à mettre sur la tablette, c'est les boules mini brand comme ça que j'ai acheté. En vrai, ma pièce secrète commence à vraiment être cool. Maintenant, ce que je vais installer, ça va être le bar à bonbons. On se retrouve plus tard. Je vais être rendu à l'étape d'installer des lumières. Ça va être magnifique dans ma pièce secrète. Et j'en profite pour vous dire qu'il y a seulement 20% des gens qui regardent mes vidéos qui sont abonnés à ma chaîne YouTube. Si vous voulez voir plus de vidéos folles comme celle-ci, abonnez-vous. Je vais finir d'installer les lumières. J'ai fini d'installer les lumières, je vous montre. Et voilà, c'est vraiment beau. Maintenant, il restera plus qu'à aménager toute ma pièce secrète, c'est-à-dire installer les peluches, les bonbons, installer tout ce qu'il faut pour que je sois confortable. Pour l'instant, j'ai tous mes sacs de bonbons ici dans une pile, mais là, je suis en train de toutes les classer sur cette petite étagère et j'ai rajouté ici une petite lumière. J'ai fini d'installer tous mes bonbons, regardez ça. Ici il va y avoir la télévision. Et juste ici il va y avoir tous mes bonbons. J'ai même des chips, j'ai même mis un petit frigo. Et juste ici j'ai du Fanta. Donc vous savez qu'est-ce qu'on va faire? On va remplir le petit frigo avec tous ces Fanta. Parfait! Et comme il me reste d'autres Fanta juste ici, je vais les stocker juste ici sur le côté du frigo. Voilà. Après avoir mis les lumières, les bonbons, le frigo et même la télévision, il va rester à rajouter des décorations juste ici. Et il ne faut surtout pas oublier la PS5 qui est le plus important. Une pièce secrète sans PS5, ce n'est pas une vraie pièce secrète. Je suis en train d'ajouter quelques décorations de Noël à ma pièce secrète. Parce que comme vous savez, c'est bientôt Noël. Ça va être magnifique. Ouh, c'est magnifique. J'ai maintenant rajouté des décorations de Minecraft. Alors ici on a un portail de land. Ici une petite figurine, voilà. Un petit personnage. J'ai aussi rajouté des nerfs juste ici. Et maintenant on va rajouter des peluches Minecraft. Je me suis dit que ça pourrait être cool si je gardais tous mes Jordan précieux dans ma pièce secrète. J'ai installé ici une petite tablette sur laquelle je vais tous les mettre. J'ai fini de placer tous mes Jordan. Sérieusement, je trouve que c'est vraiment beau. Alors, mais pour vrai, abonnez-vous parce que cette vidéo est complètement folle. J'ai terminé d'assembler le meuble qui va servir à mettre mes bonbons à l'intérieur. Donc, j'ai ici toutes mes friandises et je vais les mettre dans le bar à bonbons. Comme ça. Et maintenant, je vais installer ma petite grille comme ça ici. Elle s'allume et je vais pouvoir mettre des petites photos dessus. Alors, je vais l'installer juste ici. Et maintenant, je vais prendre des petites photos pour mettre dessus. La dernière étape qu'il me reste à faire avant de terminer ma pièce secrète, c'est d'installer mes Squishmallows. Je vais les mettre juste ici. Et voilà. Alors, ma pièce secrète est officiellement terminée. Je la trouve absolument magnifique et je suis vraiment fière d'avoir réussi à faire ça toute seule. Il me reste encore quelques minutes pour terminer ma pièce secrète. Comme vous savez, ici j'ai la télévision, mais il va manquer quelque chose de très important à ma pièce secrète. J'ai ici la PS5, donc on va la porter tout de suite dans ma pièce secrète. Je vous rappelle que normalement je vais monter par la cheminée, mais pour faciliter la tâche, on monte dans une échelle. On va l'ouvrir tout de suite. Ok, on a ici la manette et on a la PS5. La voici. Sérieusement, j'achète une PS5 à chaque vidéo. J'ai installé la PS5 juste ici. Maintenant, je vais devoir remettre le triangle du toit juste ici. Et par la suite, je pense que ma pièce secrète sera terminée.
Parfait! On a officiellement terminé de construire nos pièces secrètes dans nos maisons de Noël! Maintenant, le but sera, chacun notre tour, de trouver la pièce secrète dans la maison de l'autre. On commence avec ma maison. Je te laisse aller trouver où est ma pièce secrète. Oh, let's go! Je suis sûr que ça va être super facile de trouver ta pièce secrète. Ok, voyons voir. Qu'est-ce qui a changé ici depuis la dernière fois? Oh, attends, c'est quoi ce truc? Attends, c'est le système de poulie? Quoi? Attends, t'as fait un système de poulie? Y a quelque chose de louche avec ton lit. Attends, y a une corde juste ici. Attends, je suppose que je dois tirer sur cette corde. Oh, ça fait lever ton lit. Oh, attends, quoi? Attends, non, mais c'est trop stylé. Hey, sérieusement, c'est vraiment trop cool. Et là, je suppose que ta pièce secrète est sous ton lit. Tu iras voir. Oh oui. Attends, c'est dans ce trou? Oui. Non. En vrai, je sais même pas si tu passes à travers le trou. Attends, quoi? Oh, wow. Non, mais... Attends, non, mais là, t'as perdu la tête. C'est vraiment trop stylé. Attends, comment je suis supposé rentrer par là? Allez, let's go! Oh oui! Attends, t'as même des bonbons, du Coca-Cola, oh, t'as des peluches! Eh, mais c'est trop stylé! Attends, c'est quoi ce truc? Pièce secrète de Laurie interdit à Willy Bed! Eh, hey, ça c'est trop méchant! Ce n'est pas validé! Ah, par contre, sortir d'ici, c'est un autre défi! Qu'est-ce que tu penses de ma pièce secrète? Eh, hey, sérieusement, elle est vraiment stylée! À vous! En vrai de vrai, je donne une note de 3 sur 5. T'as perdu un point parce que t'as écrit interdit à Willy Bed, et ça c'est méchant! Et l'autre point, c'est parce que bah c'est pas très très grand, c'est quand même petit. Ça mérite un 5 sur 5 selon moi. Alors Laurie, c'est maintenant à ton tour de trouver ma pièce secrète. Je te dis bonne chance parce que elle est vraiment difficile à trouver. Oh my god, ok, mais où est-ce que ça peut être? Non. T'as tellement de trucs ici que j'ai vraiment de la difficulté à croire que t'as pu faire une pièce secrète dans ta maison. Je te jure, il y a une pièce secrète. Il y a un toit maintenant. Ça doit être là, ta pièce secrète. Tu t'es fait un deuxième étage. Ah, je peux rien dire. Mais là, comment tu montes à ton deuxième étage? Je comprends pas. Ça, c'est à toi de trouver. Moi, je ne t'aide pas. On peut vraiment monter. Je te jure, allez, à toi de trouver. Non, mais là, c'est impossible. Attends, je te donne un indice. Cheminée. Cheminée? Il y a une échelle sur le côté, non? Allez, oh my god. Est-ce qu'on passe par dedans ta cheminée pour monter? Ah, à toi de découvrir! Oh my god, mais si c'est ça, c'est vraiment trop cool! Oh, oh, attention! Le foyer s'enlève! Et voilà, c'est pas un vrai foyer! Oh, il y a une échelle! Oh, on monte par là! Tu vas tomber! Oh. Mais là, tu fais quoi? Vas-y, essaie de trouver ma pièce secrète! Ah! Oh my god, mais c'est trop cool! Oh my god! Ta pièce secrète, c'est ici! Wow! Eh, hey, mais c'est trop cool! Oh my god! C'est donc bien cool! Oh my god, t'as plein de bonbons! Oh wow! Miam, Santa! Avec une PS5! Mais en vrai, on est trop bien ici! J'adore ta pièce secrète! Je pourrais littéralement vivre ici! C'est génial! Hey, mais attends, pourquoi t'as mis des nerfs dans ta pièce secrète? C'est pour t'attaquer! En vrai, les nerfs, c'est pour protéger ma pièce secrète de toi! Non! Attention! Je veux savoir, est-ce que ma pièce secrète est validée? Oui, à 100%. Donc, c'est quoi la note que tu me donnes? Je suis encore obligée de donner 5 sur 5. Let's go! La team Willy Bed! Sérieusement, je trouve que ma pièce secrète est complètement épique. Et dans la prochaine vidéo, on va devoir passer 24 heures dans nos maisons de Noël. Alors, abonnez-vous pour ne rien manquer. Bref, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner. Et moi, je vous dis à la prochaine. Peace out, tout le monde!